Bon, ben voilà. Tu recliques sur Christophe et ça arrive normalement. Voilà. Hello, alors qu'est-ce qui est en ligne? Là, je vous attends, les agrumes. Avec mon beau t-shirt marqué Christophe derrière. Je te le montre. Voilà. Tu le vois? Ça fait partie de la. Salut, Souleyman Dembélé. Alors aujourd'hui, on est. Tu vas deviner, je te laisse deviner, ça doit être marqué où je suis. Salut Jérémy. Je laisse comme ça les gens s'installer petit à petit. Tu vois, ça fait quand même un paquet de temps que je n'ai pas ma tasse de café. C'est pas grave. Ah. Salut Lionel. Ah, on est sur des quand même sur des. C'est des petits nouveaux, c'est des petits nouveaux. Salut Nilch. Salut Nadège. Salut Soya. Ah, ah. Bah tiens, Soya, je vais démarrer avec toi tout de suite, comme ça, hein, l'affaire est faite. Voilà. Une petite idée. Salut mon Olive. Salut Célice. Normalement, si tu vois ce qui est écrit ici, là, tu dois avoir une petite. Deviner un petit peu où est-ce qu'on est. Salut mon Eva. Ah oui, c'est ton heure. Bah écoute, on est. C'est la matinale des agrumes. Et hop, j'essaye directement. Voilà. Mimi derrière est fini de partager. Pour pouvoir. Ah, mais dis donc, direct. C'est bien ça. Bah, coucou. Écoute, bonjour. Tu vas attends, bien excuse-moi un instant, Christophe. Voilà. Oui, on merci, est en direct c'est gentil. Sur la matinale des. Oui, mais je comprends maintenant ce que tu disais hier. Peut-être à demain, dit-elle innocemment. C'est que c'est non, ton anniversaire. Je savais que tu n'allais pas m'oublier. Bah, oui, non, bah, c'est jamais, je peux te dire. Bah écoute, tu avais tous les agrumes qui sont là, il y en avait en direct. Alors où êtes-vous ce matin sur... parce que je n'ai pas pris dès le début. Ah, alors là, c'est... là, tu vois déjà, on est sur un plateau, parce que tu vois ici. Ah au-dessus. Oui, ok, d'accord. Et voilà, et là, on est à Volpénil, dans le 77. Oh, d'accord. Tu es dans mon AD. Oui, je suis dans ton coin. Alors, à la limite, on aurait presque pu venir te faire la surprise. Mais bon. Ah, j'aurais pas ma surprise, tant pis. Voilà. Bah, ça l'année sera prochaine. Pour une autre fois. Bah, voilà, l'année prochaine, comme tu dis. Bon, alors, ça se passe bien aujourd'hui? Écoute, ça va. Je démarre tout doucement avec les dossiers du jour. Je vais être gâtée pour mon anniversaire. Bah, écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Pour info, je te rappelle que, tu sais, à la Run, je t'avais parlé de changer de métier. Donc, ça y est, le changement oui. de métier est fait. Donc, d'accord. Là, j'ai intégré la cellule Arche de la D Porte de Paris. Donc, à moi, les dossiers un peu. Attends, excuse-moi un instant. Tu vas bien? Ah ben sûr, c'est en direct. Il sait que c'est ton anniversaire, lui, là. Pas encore, mais il va pas tarder à le savoir parce que tu as ma manager dans le fond qui, à tous ceux qui franchissent la porte, elle leur fait signe. Eh ben, elle a raison. Bon alors, donc tu disais qu'à des portes de Paris. Donc je traite les dossiers qui sont remontés des boutiques, donc les dossiers, les clients un peu en vrille. Donc à tout moi à de fait. Faire jouer tous les transverses qu'on a à notre portée pour apporter une solution et gagner la satisfaction client. Eh, super. Donc l'intitulé du poste, c'est conseiller satisfaction client. Donc ça porte bien son nom. C'est bien. Bah, comme ça, on sait ce que c'est comme métier. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que ça a à voir quelque chose avec MSO, mon service Orange? Absolument pas. D'accord. Parce que mon service Orange, c'est un petit peu le même genre de c'est le même genre, mais réservé voilà, aux proches, aux salariés. Mais non, moi, tout je traite que ce qui remonte des boutiques de la Déporte de Paris. Bah, écoute, c'est super. Bah écoute, moi je te souhaite avec les agrumes un maximum de choses aujourd'hui, des bulles, des bises. Et puis à l'occasion, tu n'es pas inscrite pour le karaoké du 27? Mais non, ça tombe un mercredi soir et c'est pas possible, je suis de babysitting. Toi c'est bon le mardi soir, c'est ça? Le mardi et le vendredi. Mardi et vendredi, ok. Je note. Allez, je te fais des bises, bon courage et puis... dis à tes collègues, n'oublie pas, hein, Plaza. Tu sais que tu bosses chez Orange. Plaza, il faut aller sur Plaza. Hein. Le groupe, tu sais que tu bosses chez Orange. J'en ai deux dans le bureau. Ouais, tu leur prends la main, ils vont y arriver. Ça marche. Bonne journée, merci. Allez, je Christophe. Te fais des bisous, bye. Joyeux anniversaire. Merci. Voilà, alors on était avec Soya qui est sur Massy. Voilà. Salut Marie, salut Olivier, je te dis bonjour. Salut Vivia, et Vivia toujours là. Mouskali, à nouveau. Ah, Nourdine qui est en ligne. Qui d'autre qui est là? Ah, Joseph. Qui je vois? Timothée, Daniel, Clément, Nadège, Vince. Oh là là, mais il y a du monde, dis donc. C'est bien, ça, c'était la bonne heure. Salut Alain. Qui nous a rejoint? Perle, qui nous a rejoint? Aurore, bien sûr, comme d'habitude. Céline, ah bah oui.
C'est vrai, Céline, tu sais que ça a été venu à un afterwork, tu te souviens? Hein? Donc voilà, quoi, on est entre nous, quoi. On est entre nous. Salut Gwenaëlle, salut. Alors je continue à chercher un petit peu qui est-ce qui est là. Eva, Olivier, Nathalie. Alors que tu vois, c'est à l'arrière, tu vois les collègues. Il y en a qui sont des agrumes. Hein? Voilà, ce sont des agrumes. Ah, super, tu vois. Voilà les agrumes du. Parce que tu sais, en ce moment, les plateaux sont pas hyper, hyper, hyper fournis. Donc, ils sont là. Voilà. Bah, qui veut m'expliquer un petit peu le boulot du SCO? Parce que Christine est une ancienne du SCO, mais on ne va pas prendre une ancienne. Allez. Allez, Jean-François, viens. C'est facile, personne ne te regarde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça, c'est un de mes collègues, un super collègue. Voilà. Je voudrais que tu nous expliques un petit peu le boulot qui est fait ici. Bah, écoute, on reçoit les appels des gens qui sont sur Open et puis qui ont besoin de modifier leur abonnement. Voilà, D'accord, j'ai tout, voilà. tu vois. Mais si, c'est important. Voilà. C'est important. De manière générale, on va pas. Alors, Open, c'est des gens qui ont quelque chose qui est en même temps du. C'est de l'Internet et du mobile. C'est ça, oui. Exactement. D'accord. Donc, vous êtes Puis efficace. télévision. Ah, et puis télé, oui, c'est Voilà, vrai. t'as tout. Ben, c'est nickel. Donc voilà, donc Jean-François qui répond. Quand tu réponds, tu dis quoi? Bonjour Jean-François. Bienvenue chez Orange, que puis-je pour vous? Ah, c'est le top. T'as entendu cette voix? Eh, si toi tu es. T'as vu, en plus, c'est des beaux gosses. Hein. Donc si toi tu es une fille Je m'en vais, j'ai qui. Ah, honte. voilà. C'est comme ça que ça se passe. Allez, salut Nadège. À qui? Jean-François est un agrume, et puis il y a aussi Françoise. Ouais, d'accord. Mais qui n'est pas agrume là-dessus? Est-ce C'est que vous Karine qui n'est êtes. pas agrume. Karine, Karine, regarde, t'as vu l'épaule là? T'as vu ça? Karine montre son épaule, mais elle n'est pas agrume. C'est fait exprès. On a dit qu'elle Karine n'est n'était pas pas agrume, agrume. mais Françoise est agrume. Françoise, Je viens. suis agrume, moi Viens je suis parler. plutôt framboise, elle. Ouais. Elle est plutôt framboise, elle n'est pas Tu vois, on n'a pas besoin d'être 250 pour que ça se passe bien. Voilà, et on est tranquille, c'est le panneau. Donc Françoise, voilà, une agrume qui fait le même job. Oui. Tu peux rajouter quelque chose à ce qu'il a dit? Eh bien, on reçoit donc les appels des clients Open D'accord. de toute la France Ok. pour modifier leur forfait. Et quand tu étais petite, c'est ce que tu voulais faire? Ah oui, bien sûr. D'accord. Et maintenant, tu te dis, si c'était à refaire, qu'est-ce que tu Si c'était à refaire, ferais? je travaillerais chez Orange. Ouais. C'est tellement bien. Stéphane, si tu nous regardes, est-ce que franchement, tu penses qu'on peut avoir meilleur amour de sa boîte que là? Hein? Donc, allez, fais couler une rotteuse pour Ah oui. Volpénil. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Vous n'êtes pas sur Plaza, hein, les enfants? Il faut aller se mettre sur Plaza, on fait ça juste avant. Allez, j'ai besoin du Mac pour donner tous les anniversaires du jour, parce que je ne les ai pas et je ne les ai pas donnés encore, parce que ce n'était pas terminé. Voilà, alors aujourd'hui, on est le mardi 8 août, et puis je tiens à souhaiter un excellent anniversaire à tous ceux du jour, les agrumes du jour. Alors, il y a Corinne Aguenin qui a la boutique des Champs-Élysées. Eh oui! Bah, Soraya qu'on a eu. Alexandra PMR, t'es pas en ligne, mais je sais qu'Alexandra, tu dois être de la Run. Donc la Run, elle est toujours là, dans notre cœur, la Run, tous les jours. Il y a quelqu'un de la Run dans cet anniversaire. Et c'est l'occasion d'en parler. À Antoine Donald Villecoq, à Vanessa Fercousse. Vanessa aussi, je la connais. Elle est sur Olivier de Serre, donc ça voit. Hein. Bulls et Bises. Monique Arnaïs, Vavou, Vavou. Alors ça, Vavou, Vavou, qu'est-ce que ça peut être? Valérie? Bon, moi, bah, c'est à vous. À Delphine Bozems, à Steve, qui est de la GDT à Ploermel, et à Sonia Vernière. Voilà. Donc, tout ça, c'est les agrumes du jour. Salut, Marie. Eh oui, c'est vrai, le slogan, Marie, le slogan de Plaza, c'est si chacun d'entre nous va sur Plaza, eh ben, on double rapidement en invitant quelqu'un. Voilà. Salut, Olivier. Salut, Pat-Pat. Voilà. Donc, tu le sais aujourd'hui, c'est pas besoin que je te le rappelle, je suis sur le site de Volpénil dans le 77 sur le SCO. Normalement, au-dessus ou à côté, il y a un site qui. Ben, c'est le mien, la DISU. Donc, je vais voir si à la conduite d'activité, il y a quelqu'un. Hein. On ne sait jamais, quoi. Hein, histoire d'aller voir les collègues. Voilà, je vais partager maintenant sur l'autre compte ici où il y a joyeux anniversaire à. Il faut que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher. Bon, n'hésite pas, hein, si tu as des choses à dire, dis-les. Hein. Je regarde qui je peux inviter. Pendant ce temps, je vois Céline qui est en train de bavarder comment dirais-je? Salut Gonelle. Comment Céline? Céline, il va falloir que tu m'expliques comment tu fais. Ah, salut Edith. Edith, on t'a loupé hier. Vraiment, c'était de justesse. Mais bon, il y avait tellement de choses à faire sur le bateau. C'était tellement intéressant que voilà quoi. Après, on a quand même fait un petit tour à la boutique Jean Jaurès.
Mais bon, tu étais en vacances et tout, on n'a pas réussi à faire la chose. Estelle Jarnon, salut, bienvenue sur le... Cindy, c'est pas ton anniversaire. Non. Salut, Noureddine. Salut, Domi. Salut, Cédis, Joseph, Renette. Ça, c'est bien, ça. Ah, bah, Corinne, tu es là. Écoute, je vais t'inviter. J'espère que tu es en train de bosser. Hein. Voilà. Corinne, qu'est-ce que ça fait? Ça passe? Impossible de t'inviter. C'est dur, hein, Corinne. Il y a un souci. Emmanuel, salut Emmanuel. J'essaie de ne pas louper Emmanuel parce que sinon je vais te faire tuer. Ah là 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 là. Salut Noureddine. Vanessa, oh Vanessa, je t'invite. Trop. Impossible d'inviter. Alors les gens qui sont impossible d'inviter, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il va falloir que je réfléchisse à ça sérieusement. Salut Domi. Fred Charrier. Un petit nouveau. Ah oui, ça fait plaisir, des petits nouveaux comme ça sur le direct. Bernard, salut. Olivier, bah oui, toi t'es un ancien. Marie, oh, papa. Benoît, Tanguy, Franck, ouais, bah, toi aussi, un habitué. Ah, Nadine. Nadine, je t'invite parce que tu m'as toujours pas dit comment ça se passe le TPS. Alors, je rappelle une chose. Pour pouvoir répondre sur le direct, il faut mettre le téléphone en position paysage, hein, donc comme ça, verticalement. Et puis là, ça va tout seul. Ça va, donc là, hop. T'as vu de quoi on parle derrière, là? J'entends parler de 10 heures, famille, des trucs comme ça. C'est vraiment, on est en plein dans le cœur de métier. Alors Nadine, j'attends que tu me répondes. Tu me réponds. Ah, voilà, super. Comment tu vas? Ah, j'ai pas le son. Ah. Voilà, ça y est, j'ai le son. D'accord. J'ai le son. Super. Alors dis-moi comment tu vas, comment ça se passe? Ah, génial, le TPS. Oui. Génial. Ouais. Ouais, donc on se réveille le matin à l'heure qu'on veut. Non, je me lève toujours aussitôt. Ouais. J'ai envie de profiter de mes journées. Donc, bien sûr. C'est quand même très agréable. Et là, au moins, je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, du jardinage. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Ah, écoute, je te rassure, ici à Paris, c'est pareil. Enfin, je pense que cet après-midi, le soleil revient, donc ça sera... Ouais. Bah écoute, ça fait plaisir. Il y a une autre collègue qui est d'ailleurs là avec nous aujourd'hui, qui est pas de patte, qui pareil, depuis vendredi, elle n'a pas à se réveiller. Donc voilà. Mais moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous êtes quand même là toutes les deux sur les matinales, quelle que soit l'heure. Ah ben, en plus, je me lève toujours très tôt. Tu vois, je me lève 6h, entre 6 et 7 heures. Donc je ne suis pas la plus. Je ne suis pas celle qui restera le haut lit, quoi. Bah écoute, c'est impeccable. Moi, je dis que tout ça, c'est super. Ça veut dire que, bah, voilà, quoi. Quand on aime, on ne compte pas, et puis on est là, quoi. On est là. Bah, écoute, j'espère que... Tu restes sur la région de Montpellier, quand même, non? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, bah, écoute, à l'occasion d'un passage là-bas, bah, hein, tu viens aux after work et puis voir les collègues, quoi. Les nargués. Allez, je te souhaite une bonne journée. Amuse-toi bien. Et puis, bah, de temps en temps, comme ça, envoie-nous un petit coucou. Ça fera super plaisir. À toi aussi, Christophe. Allez, bonne journée. Bye bye. Bye bye. Voilà, bah, c'était Nadine qui donc est en TPS depuis un moment déjà. Salut mon Hugues, tu es en place. Ah, Frédéric nous a rejoint. Marie, je t'ai vu. Hugues, Zacharia, Neil Jonio. Alors, est-ce qu'il y a un jour où tu ne fêtes aucun anniversaire? Alors, je vais te dire une chose. C'est très rare, c'est très 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 rare qu'il y ait des jours où il y ait... Alors je crois qu'il n'y a aucun jour, en fait sur les 365 jours, il n'y a aucun jour où il n'y a aucun anniversaire. Tous les jours il y en a. Mais il y a des jours où tu remarqueras, bon là aujourd'hui on est dans la moyenne, une petite vingtaine on va dire sur les deux comptes Facebook, une petite vingtaine. Mais il y a des jours où il y en a 3-4. Et je crois qu'il y a eu un jour où il y en avait 2. Alors ça ne veut pas dire que sur tous les agrumes il n'y a pas d'anniversaire. Je te rappelle que pour savoir que c'est ton anniversaire, il faut 2 choses. 1, que nous soyons amis. Enfin, la première, je crois que c'est déjà que toi, tu aies mis ta date d'anniversaire dans Facebook. Parce que moi, je n'ai pas d'autre moyen de le connaître que lorsque c'est mis sur Facebook. Hein. Je n'ai pas de fichier RH, de machin. Ce n'est pas Big Data. Donc voilà, tu le mets, 1, sur ton compte Facebook, ta date d'anniversaire. Et 2, que nous soyons amis. Parce que si on n'est pas amis, je n'ai pas la petite notification du matin qui dit « Tiens, un tel fête son anniversaire. » Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore eu un jour où il n'y a pas d'anniversaire. Je peux te dire que le jour où ça arrivera, j'en parlerai parce que ça fait quand même
presque 3 ans maintenant. Et depuis que, enfin, j'ai commencé ça il y a peut-être 2 ans, les anniversaires, j'ai tous les jours quelqu'un. Tous les jours quelqu'un. Et au début, je gardais même ma famille, enfin les gens de la famille qui étaient sur mon compte. Maintenant, j'ai carrément viré tous les gens de ma famille pour sur un autre compte. Et ben là, j'ai que des agrumes et je sais que sur ce compte, tous ceux dont c'est l'anniversaire, c'est que, ben voilà. Ils sont. Salut ma Cathy. Salut Jenny. Ah, Jenny Charlot, c'est la première fois que je te vois ici. Voilà, donc j'ai rajouté les autres. Tout va bien. Cathy qui vient de nous rejoindre. À craindre ta visite à Chessy. Alors, Domi, moi, je viens à Chessy quand tu veux. Il faut qu'on se parle en MP. Parce que Chessy, il y a quand même l'adresse, voilà, s'il y a du monde et tout, voilà quoi. Mais sinon, ben, bien sûr, Chessy, on est... Regarde, on vient à Melun, donc à Volpénil, on peut aller à Chessy sans problème. Dans ta tournée, à quand Courbevoie? Eh bien, Courbevoie, Marie, avec plaisir, surtout que c'est pas loin de la maison. J'habite à Levallois. Le seul truc, c'est que je n'ai pas le contact d'agrume qui soit là-bas. Or, tu sais que sur ces secteurs qui sont assez fermés, ce n'est pas une boutique où on peut venir. Il faut connaître quelqu'un pour rentrer. Sinon, c'est la mort. Salut Sonia. Donc voilà, on se dit tout ça en MP. Puis avec salut Nancy. Nancy Rakoto. Salut, salut. Ah, Valérie, tu es dans la vidéo. Et Valérie, en plus, je crois que tu es en vacances. Si je ne m'abuse, j'ai dû voir comme ça quelque chose de ce style. Que si tu es en vacances, salut Edith. Ah oui, c'est vrai que les agrumes sont formidables. Les agrumes sont formidables. Je vais te dire, hier... J'arrive à la boutique rapidement parce qu'on avait peut-être une petite heure à tuer avant de reprendre le train pour Paris, comme on était à Brest. Et on arrive à la boutique de Jean Jaurès. Et mon téléphone, paf, aucun service. Tu vois un peu l'énervement. Moi qui vante la 4G d'Orange avec laquelle je te parle aujourd'hui, hein, parce que partout, je te certifie, on est en 4G Orange. Il y a peut-être chez moi, à la maison, quand j'utilise mon petit studio que je mets en Wi-Fi avec la fibre, parce que je capte pas très très bien. Je ne sais même pas si je ne mettrais pas une petite femme tout seul là, chez moi, mais sinon c'est du 4G. Et puis alors maintenant que les 20 gigas, c'est top. Donc nous voilà rentrés dans la boutique. Je vois donc le collègue qui en plus est un agrume, qui est à la fois tech et coach dans la boutique. Je lui dis, regarde, je suis embêté. Bah, moi quand même, j'ai quand même un petit peu de recul sur le matos. Mais tu vois, j'avais tout fait sauf penser à faire un hard reset de mon iPhone et tout est revenu dans l'ordre. J'avais débranché, rebranché, éteint, rallumé, etc. Comme quoi, tu vois, dans les boutiques, il y a toujours un agrume pour t'aider. Et moi, ça, rien que ça, ça vaut le coup. C'est pour ça que les agrumes sont formidables. Plus principalement à Brest. Tiens, je peux revenir sur cette histoire de Brest. Alors certes, dans la boutique, j'ai été reconnu par pas mal d'agrumes, mais principalement par la petite Rose, enfin petite, une grande. Tu verras les photos sur le truc. Rose qui me dit de loin, hein, bonjour, je le connais, le monsieur de Facebook, mais c'était trop rigolo. Donc il dit, non, je ne veux pas être en photo. Attends, je vais te montrer les photos. Ce sont des blocs en béton. Hein, mais bon, voilà, c'est ça, c'est une petite, comment dirais-je, une petite timidité naturelle, alors que moi, je suis le premier des timides. Ah, mais bon, de voir ça, voilà. Mais ça fait chaud au cœur quand même d'aller voir les collègues dans les boutiques et de taper la discute avec. Un coucou de la Réunion, mais bien sûr, merci beaucoup Nancy. Écoute Nancy, je regarde vite fait Brigitte Antoine. Ah ben Antoine, Donna, c'est ton anniversaire, hop, invité. Alors je rappelle, hein, toujours, impossible de t'inviter, ça c'est bizarre ça. Impossible de t'inviter. Mastou, toujours là, fidèle au poste. Mastou, il y a une chose. J'en rêve, c'est que tu me fasses un poulet rôti la prochaine fois que je descends à Tarbes. En plus, j'ai vu une chose, c'est qu'à Tarbes, il y a, sur le groupe, j'ai vu rentrer des gens qui doivent être des plateaux, je suppose, et qui ont donc, qui ont dit, oh, on est de Tarbes. Je dis, mince, on les a loupés. En fait, à Tarbes qu'on avait été, on était beaucoup avec des prestataires dont tu fais partie, Mastou. Je ne peux pas dire le nom. Mais voilà, on n'a pas vu beaucoup les gens d'Orange, maison mère, quoi. Alors, le jour où tu fêtes le plus d'anniversaires, je n'ai pas compté. Vous savez qu'il y a des jours, il y a une trentaine d'anniversaires. Il faudrait que je tape un petit peu dans les statistiques. Mais bon, ça. En fait, je sais qu'il y a. Ah oui, il y a fait là. Tout à fait. Mais Marie, redis-le-moi à MP, parce que tu sais que les conversations des matinales, là, ça va sur la vidéo, et après, j'ai du mal à les relire. Allez, bonne journée. Profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma petite Alexandra Pommier de Saint-Aleu. Alexandra Pommier, allez, hop, attends, je vais essayer de t'inviter. En plus, Saint-Aleu, je crois que j'y étais à Saint-Aleu. Hop, j'arrive pas à t'inviter, Nancy. Tac. Non, si j'appuie sur ton nom, voilà, invité à la diffusion.
Ah, impossible. Bah, voilà, bon, bah, tu m'as barré. Tu m'as barré. Bah, écoute, un joyeux anniversaire à elle. Alexandra Pomy, en plus, je crois qu'elle fait partie de la, de, des agrumes. En tout cas, si elle ne le fait pas, il faut, l'inviter, quoi, qu'elle vienne un petit peu chez nous. Et le nom me dit quelque chose. Ou alors, je confonds avec Pascal Pommier, ce qui n'est pas pareil. Pascal, qui est notre RP vedette à comment dirais-je, à Tourville-la-Rivière. Salut Monique, bienvenue dans la Johanna, salut. Antoine est dans la Brousse, Aveyron, bon anniversaire Antoine. Laetitia, chute là. Salut Joël. Joël, il faut que, si j'y pense Joël, j'aimerais savoir si toi tu as le moyen de contacter d'autres personnes de la GDT, parce que moi je n'ai pas de truc interne, parce que voilà, j'aimerais passer dans une GDT très prochainement et j'ai besoin de toi. Voilà, voilà. Et dire que tu n'as pas voulu boire un pot hier. Écoute Edith, ça aurait été avec grand plaisir, mais voilà, on était sur le bateau. On était briefé, tu vois, parce qu'Orange Marine, c'est quelque part, c'est un petit peu militaire, hein, quoi. Donc, on avait tant de temps pour visiter, et puis en plus, on n'était pas seul, il y avait les gens d'RTL. Donc, je ne pouvais pas dire, bon, bah, écoute, on se barre 2 heures pour aller boire un coup, on vient après. Ça aurait été trop, trop. Ah oui, je sais, c'est moche. Mais en tout cas, voilà, j'ai pensé à toi. À partir du moment où j'étais avec Bernard, je pensais à toi tout le temps. On a parlé de pète alerte. J'ai même dit une chose, c'est que s'il y a un toutou qui s'opère là-bas, du côté de la Bretagne, tu es au courant. Peut-être même c'est toi qui les retrouves. Mais t'inquiète pas, ce n'est que partie remise. Tu viendras bien un jour à Paname ou un jour on viendra à Brest. Hein. C'est obligé. Salut Rose. Quand tu veux, ouais, j'ai ton numéro. C'est vrai en plus. Je suis bête, j'ai ton numéro. Salut Thierry. Voilà. Bah écoute, tout le monde est là. Quoi te dire de plus? Bah écoute, je vais te faire un gros bisou. Te dire que tu dois prendre soin de toi toute la journée. Faire des bises et des bulles. Des bulles, tu sais, c'est le champagne. Hein. Non, mais je te dis ça, ça c'est une version Alex. D'ailleurs, Alex, il va falloir que tu te me redonnes une autre formule. Ça fait 2 ans, ça commence à faire long. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Alors, demain matin, on sera quoi demain? On sera mercredi, le jour des enfants. Spaghetti, ravioli, enfin, tout ce que tu veux, Henri. Et entre 7h et 10h, c'est moi qui dis quand, l'heure exacte, mais c'est moi qui dis où. Voilà, je te fais des bises. On n'oublie pas, Plaza, on fait un maximum. Là, tu vas voir, dès que je finis ça, je vais sur Plaza, là, partout, je les abonne tous à Plaza. Là. Tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Allez, à bientôt. Bye bye.